Putain, il en a une grosse, j'aimerais bien l'y toucher. Quoi ? Yo Mina, j'espère que vous allez bien. C'est Maître Nain, on se retrouve donc pour peut-être, hein, je dis bien peut-être, cela dépendra de la chose qui m'accompagne, donc Mugman, alias Tifa. Hello ! On se retrouve donc sur Cuphead, dans le tout début du jeu, j'avais déjà fait un let's play dessus, où j'avais quand même bien avancé, mais au final, j'ai pas pu aller plus loin, à cause du PC, et qu'en plus de derrière, eh ben, vu que j'ai reboot le PC, plus de sauvegarde, pas envie de recommencer. Enfin. Donc, je regarde ça, c'est Forest, donc c'est un run and gun, ok. Ça c'est donc logiquement un boss. Ouais, on va commencer déjà pour que Tifa voie les bases, un niveau. Ok. Pour qu'elle voie les bases et tout. Alors, il faut se dire aussi, Tifa, que quand tu vas sauter, tu peux rappuyer sur une touche. Alors, attends, tu vas voir. Parce qu'en fait, si un de nous deux meurt, on peut se raise entre nous. Donc voilà, familiarise-toi avec les touches, on s'en fout du temps. Donc, carré pour taper. Triangle pour dash. En l'air aussi, tu peux. Et tu vois, quand tu sautes, tu fais un truc rose. Quand tu tapes. En appuyant deux fois. Ouais. Et ben ça, c'est... Si t'as des adversaires qui sont roses et que tu tapes dessus, ça remplira ta jauge en bas à droite, c'était ton HP. Si tu te fais toucher trois fois, t'es mort. Et donc, c'est-à-dire que tu vas transformer en fantôme avec un cœur rose. Et moi, je pourrais te rester en te tapant dessus. D'accord. Et s'il y a des ennemis qui sont roses, tu peux les taper dessus et ça remplira une jauge de pouvoir pour que tu fasses un spécial. D'accord. Ça va venir tout seul au moment, tu verras, c'est... Et tu peux maintenir la touche R1 pour ne pas bouger et tirer dans le sens que tu veux. Voilà. Ok. Les contrôles ne sont pas compliqués. Et au fur et à mesure, on customera notre perso. Parce qu'on pourra gagner des nouveaux attaques spéciales. Bon, après, le but c'est de runner beaucoup. Mais là c'est juste que Tifa, elle apprend les touches. Donc, on fait avec. Alors, il y en a qui pourraient dire à deux, c'est plus facile le jeu. Alors, j'aurais envie de dire oui. Pas forcément. Et j'ai envie de dire non. Parce qu'en fait, il va falloir faire gaffe à son coéquipier. C'est ça. Voilà, il va falloir vraiment faire gaffe à son coéquipier. Donc fais gaffe, lui, il meurt pas, celui qui est le bleu qui est par terre, mais il reste entre temps. Oh, j'ai cru que j'ai... Voilà, ça, tu vois, ça, c'est rose. Je tape dessus avec mon coup de pied, avec mon coup. Ok. Et tu vois, ma jauge de pouvoir, j'en ai beaucoup, là. Ça commence à monter. Tu fais un double saut. Ah, j'ai pas fait exprès. Ah, bien. J'ai essayé. Non, tu fais comme ça. Ah bah non, j'y arrive pas. Hein. Regarde. Voilà. viens moi. Reste-moi. Ah, c'est pas grave. Bah, tu fais le niveau toute seule. Oh non. Non, mais le premier n'est pas compliqué. Faut juste que tu fasses gaffe de pas t'avances pas trop rapidement. Ah, tu vois, t'as réussi. Bah voilà. Moi, ce que j'adore surtout sur ce jeu, c'est la direction artistique de ouf. Ouais. Bah, ça fait très dessin animé d'antan, quoi. Des années 30. De ce que j'ai vu, c'était années 30. Donc, oui. La meuf qui va yolo. Ouais, mais je voulais juste dégager le truc bleu. Il y en a un qui va venir derrière. Non, je croyais que c'était à ce moment-là. Ah, oh, voilà, tu vois. Ça y est, je commence à gérer. Ouais, ça va venir au fur et à mesure. Aïe. Alors, je gérais, mais je ne gère plus. Lui, on s'en fout qu'il sort avec son prépuce. On dirait du Rayman, là, comment je... Oh, putain. Oh, le bâtard. Oh. Ah, non, il t'en veut, hein. Fais gaffe. Mais je vais les enculer. Oh putain. Oh, tu m'expliques pourquoi je suis pas vivante? J'ai perdu. J'ai pas compris. Non, bah parce qu'il faut faire ça. Tu sautes et tu dashes. Ah, et mais j'ai pas. Bah oui, d'accord. Et carré, ça t'use une barre d'ultime. Carré, rond. Ah, moi c'est rond. Rond. Et bah oui, il faut faire comme ça et triangle, t'avances. Ouh. C'est un boss ça, non? Un mini-boss, mini-boss. Mini-boss. Merde. Oh pardon, hashtag intelligence zéro chez moi. On en était où? Ah bah ça démoralise. Voilà, attention plan de piranha. Qui meurt pas, ok. Lui il faudrait le dégager avant. Non, non, oh c'est bâtard. Oh ce bâtard! Ah non, c'est des enculés. GG. Ouh! Bravo! Bravo! On a géré, bande de PD! Oh putain! Ah, ça m'a excité! Hein.
Bon, c'est bon. B. A brand new record. Un petit B. Alors, oh yeah. Tifa, maintenant on va s'attaquer à un boss. Allez, viens. Ouais, j'ai peur. Bah, le premier, on va dire qu'il était toujours le plus simple. Bah, c'est une plante, j'imagine. Exactement. Ah non, une patate. Ah non, c'est le deuxième, la plante. Oula. Merde, je voulais faire un double saut dessus. Ta catin de merve. Mais ta catin de daronne. Ta daronne, je l'ai bouillave. Fais attention au milieu. Oh putain. Putain, il est en train de chialer sa daronne. Et là, on peut pas se raiser entre nous. Je crois pas que tu peux passer au milieu. Non, non, non. Putain, t'as... pour l'instant, t'es... Ah, la carotte. La carotte. C'est la carotte. Eh ben, je me suis fait carotte. Tu t'es fait carotte alors que c'est toi le boss en plus. Eh, merde. Bah, tu t'es fait carotte. Ah, j'aurais bien voulu savoir où on en était, mais je pense qu'on était à la dernière phase. Ouais, ouais, mais c'est... Aussi. C'est le truc de merde là, le truc rose que je voulais bouillir ça. Voilà. GG. Ah, j'ai pas le temps de récupérer le dernier. Voilà, ouais, on le tape toujours. Ouais, allez, chiale Madeleine. Autant qu'on reste à côté. Ouais, j'avoue. Oh. Wow. Je t'y bug. Ah merde, j'avais pas vu qu'on pouvait faire ça. Ah bah bien sûr, tu peux faire ça. Tu peux même, regarde, comme j'ai dit, tu t'es pas obligé de bouger. Tu maintiens R1 pour rester lock. Oh putain. Bah par contre, ça, je m'en souvenais pas qu'il faisait ça. Allez, on peut l'avoir du deuxième coup. Putain, moi, ma manette, elle vibre d'une puissance. Moi, j'ai retiré, j'ai retiré la vibrance. Bah, ça y est, moi, ça s'est enlevé, la vibrance, là. Ah, merde, putain. Désolé, encore. Là, on est bientôt à la fin. Merde. Voilà, c'est bon, j'en ai ras le cul, tiens, vas-y, nique ta mère. GG. Deuxième try. Et le boss, 30, c'était plus simple. Plus simple que le niveau quand tu connais pas. Ouais. Mais c'était The bien, franchement. C'était cool. Ouais. Oui. Easy peasy. Ah, ok. Donc, ouais, on a eu donc le truc du pacte du démon. Ok, donc ça, c'est bon. Alors, je voudrais savoir un truc. Lui, qu'est-ce qu'il sert? Donc, non, c'est juste pour parler. Ok. Ah, oula, je crois que c'est un boss, ça. Ouais, oui, Taras, pour l'instant. Viens, Tifa. Non, non, pas celui-là. Là, non, non, faut pas pousser mémé dans les lentilles. C'est quoi, ça? Oh, merde, c'est un boss. C'est je crois que c'est la plante. Ah, non, c'est le truc bleu. C'est quoi? Bah, tu sais, le blob bleu qu'on a pété de la gueule. Quand on lui pétait la gueule, il bougeait plus. Aïe. Bah, ça ressemble à ça. Hein. Ouais, tu sais que quand il rebondit, tu fais gaffe. Ouais, ouais, bah c'est vachement ce que je fais là. Putain, il m'a fait flipper le coup. Thank you. Ah. What the fuck? Ouais, c'est pour récupérer des pouvoirs gratos. Il devient juste plus gros. Merci. Il va taper. Quand il s'arrête, c'est qu'il va mettre un coup de poing. Merci. Ah mais non, mais si tu meurs en haut, je peux plus te récup, moi. Ah, d'accord. Ah bah t'inquiète pas, hein, je la connais la strat sur ce pétard.
connais par cœur. Ah, bon, j'ai rien. Des fois, faut abuser des dashs, j'ai remarqué. Quand même. Ouais, j'ai pas l'habitude des dashs. Ouais, mais ça va changer la vie. C'est pour ça que je le fais. Merde, je l'ai fait. Pardon. It's beau. Ah là, il se passe plus rien. Au vert. En fait, le but, là, si on veut lui enlever des vies, ce sera de... De se faire... De se faire ? De comme ça. Ah merde. Ah bah tu peux même le faire de loin, en fait. R1. Oui, mais c'est vrai que j'ai plus l'habitude de faire comme ça. Ouh, irrité. Ah moi c'est moi qui le harcèle là. En fait il passe plusieurs fois devant moi. 1, 2 et 3. Quand on le connaît par cœur les patterns, après ça va tout seul. Ah, oh, là il a changé. Là c'est qu'il est vers la fin là. Ouf. Accélère. Oh le bâtard, il a essayé de me bait. Fils de pute. Attends, j'étais j'allais dire GG. Oh putain, tu en étais à la fin. Merde. Bon, enlevez ce joli portfolio avant que l'overdose de guimauve me plonge dans un coma diabétique. You're my fucking bitch. You're my fucking bitch. Là, on est en train de gérer. Là, honnêtement, ça commence à venir. On va voir. Je fais pas trop vite victoire, moi. Bah, ah. Si. Merde. Mais je suis tombé de côté. Oh putain, en plein milieu. Ah putain, la salope. Oh putain. Oh oui. Je t'ai dit, c'est la run de la victoire, bitch. Oh yeah. Oh yeah. Ah, ça me sexite. Moi aussi, ça me sexite. What? Merde, j'ai voulu tirer. Aïe. Ah bah oui. Eh, n'empêche, j'ai pas perdu encore de vie. Ouais, t'as géré, toi. Ouais, mais t'inquiète, ça va venir. Voilà. Oh, non, mais tu te barres pas comme ça, sale... Pauvre tâche. Ouh. Ouh. Là, c'est lui qui va être éripé. En ce bâtard. Merde, je me suis mis en dessous. Non, tu reviens. Ok. Tu crèveras avec moi, au pire des cas. J'attends là, moi, en mode tranquillou. Oh merde, le coup. Mais non. Je préfère pas qu'on reste collé à cause de ça. Ouais. GG. Merde. Merci. Attention. Non, là, c'était trop risqué, là. Putain. Non, bah. RIP. Là tu as géré, je suis sûr. Oui. GG. Oh, GG, je t'ai dit, c'était la run de l'amour. Bah ça fait un cœur en plus. Oui, en plus. Voilà, c'était la run de la baise. Je te l'avais dit. J'espère que vous avez kiffé, bande de salopes. Ah, oh, c'est vichant. D'ailleurs, je sais pas si je t'envoyais l'image en rapport avec Cuphead. Ah non, tu m'as rien envoyé là. Il y a une image que j'ai vue où en gros c'était. Le contrat, ok. Alors je vais regarder un truc avant pour voir si lui il fait quelque chose. Ah, c'était juste ça. J'espère que c'est pas directement un boss. Ah non, 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 non.
Tu veux essayer pour voir? Bon, d'accord. Allez, c'est moi qui demande en plus. Et après, je vais manger, putain. Oh non, pas elle. Oh non, pas le chétan. C'est le chétan, elle? Oh, mais c'est pire que ça, ta pute de merde! Mais c'était quoi, ça, que j'ai eu, là? Enfin, elle est à la fois... Je dirais à la fois chiante et à la fois elle est pas chiante, mais ça dépend, en fait. Wow, c'est quoi, cette vachou? Ah, mais c'était moi, en plus. J'avais pas capté. Oui, c'était toi. La vachou. Elle va, voilà, elle va faire des coups de corne. Il faut faire juste faire gaffe à ses coups de corne. Mais quand elle s'arrête, elle fait coups de corne. En grosso modo, ça en fait partie. Ah, tu m'as oublié. Eh, vas-y, oh, pardon, tu l'as. Oh, j'ai pas vu. Eh, bro. YOLO. YOLO ou you're up? Ah, je sais pas, moi, je crois qu'il dit YOLO. Je suis une salope. Elle fonce sur nous. Salope. Ah oui, j'ai oublié qu'il y avait le triangle pour éviter les coups. Moi aussi, des fois j'oublie. Ouais, mais ça aide énormément parce que c'est vrai qu'on devient tout petit. Bon bah, moi ça a pas marché. Merci pour la tarte. Ah putain, t'es bien toi. Bah exact. Tu vois, je fais ça et je me dirige. Et ça lui fait énormément mal, mais il faut que tu charges de... Mais pourquoi t'as fait ça pendant mon ulti, pignouf? Ah mais j'ai perdu. Ah mais ouais, j'ai perdu. Moi aussi, regarde. Je te décoche une flèche, salope. Je te donne mon amour. Et après je te la fous bien profond. Et ça la fait rire en plus, cette chienne. Putain de vente, c'est mort. N'empêche, on dit ouais, les jeux vidéo c'est pour les gamins, mais non, c'est hyper stratégique. Hein. Ah bah y'en a, oui. Ah, dernière phase. Alors là, non. Ils sont chelous. Bon, dans ce temps-là, je la tape, hein, tranquille. Hein. Ah, la lune, je l'ai déjà vue. Ah, elle est chelou. Putain, elle a un énorme tarin. On dirait Jean Lassalle. Ah ouais, Jean Essel. Jean Essel. Ça va, tu gères? Bah, je suis choqué. Je suis choqué à quel point tu gères aussi. Quoi? Putain, GG! Chut, viens là, viens là, viens là. Ah putain, elle est moche. Elle ou il ou les deux? Elle. Ou peut-être les deux, je ne sais pas. Mais ça se voit que c'est repris des anciens dessins animés. Hein. Il y a énormément. Ouais. Bon, bah, on a gagné. Bien. Bah, surtout grâce à toi. Mais j'ai cru que j'allais me faire défoncer. Bon bah voilà. Si ça se fait sous forme de let's play, bah ce sera le premier épisode. Le prochain voilà. Niveau, le prochain ce sera un niveau. Moi, okay. À deux. Moi ça me va hein, de le faire à deux. T'aimes bien franchement ou pas? Ouais ouais, c'est cool avec toi. Moi je préfère avec toi que tout seul. Hein. Ouais. Après moi j'ai déjà essayé tout seul, c'est fun, honnêtement. Mais c'est encore mieux de. Il, je crois pas qu'il nous dira quelque chose lui. Non non, c'est juste une discussion. Bon bah les amis, en tout cas j'espère donc que bah, le temps qu'elle me pousse hein, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Et on se dit à très bientôt à la prochaine pour d'autres. Non, on fera pas de niveau, ta pute de race, en tout cas. Et je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Ciao Minda. On est beau gosse hein. Ouais, on est baisé. Mais t'as quand même un plus gros pif que moi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je suis genre la salle.